Yo tout le monde, c'est Funyuk, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Legends. On va partir en PVP pour aller tester cette team de fous avec le Gohan Beast LF, le Goku Tag Badak LF et le Migate Ultra. Voilà, on avait fait cette team ensemble en live. Du coup, j'aimerais savoir en PVP quelle carte est la plus impactante entre le Tag Père et Fils et le Migate Ultra. Parce que beaucoup disent, ouais, Migate meilleur, ouais, le tag meilleur, etc. Moi, je suis pas objectif parce que je kiffe Badak à fond, tu vois. Bah du coup, on va voir ça en vidéo. Max de pouces bleus et n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire quelle est votre carte préférée entre le tag Goku Badak ou le Migate Ultra. On est parti en PVP. Yeah, on est parti pour cette première game. Alors c'est simple, clairement, je commence avec le Migate Ultra en début de game, tu vois, parce que Migate Ultra, si tu commences à attraper l'adversaire qu'il essaye de switch, tu peux blast et tu peux ultime derrière, c'est vraiment un truc de ouf. Du coup, il a mis Pan, alors Pan allait caster le Gohan Beast, il est fort. Le Orange Piccolo, il ne fait pas plus peur que cela. Du coup, vas-y, let's go. On va voir ce que ça va donner, les amis. Je compte sur vous pour les likes. Allez. Qui sera le meilleur dans la team entre le Migate ou le tag père et fils? Voilà, tranquillement. Ok. Voilà, tranquille. Je laisse utiliser du ki tranquillement, tu vois. Voilà, ok. Reste fond de map. Très bien. Hop. Ok, j'essaye de voir un peu comment il joue. Ok. Oh, ouais, je suis gâté là. Je le laisse juste pour voir s'il résiste. Ah ouais. Waouh. Mes frères, mais j'ai pris deux coups. Ok, le tag, ok. Voilà. Bon de coup. Voilà, et voilà les dégâts. Tu vois les dégâts? Voilà. Voilà, tu vois les dégâts? C'est autre chose quand même. Non mais par contre, j'hallucine que j'ai déjà perdu mon Migate en deux coups, wesh. Voilà, hop. Ok. Huch. Ok. Allez. Tue-le pour qu'il ait son revive. Voilà. Par contre, j'hallucine encore le Migate, tu vois. Je pensais qu'il allait me rester un petit peu contre-type et tout, je veux bien. Mais wesh. Le Gohan Beast, il a explosé, là. Parce que là, je me retrouve en 2v3 dès le début de game. C'est chaud, tu vois. Ok. Voilà. Ich. Ah, ouais, voilà. Il me lock, du coup, avec sa transfo. Forcément. La transfo Gohan Beast, hein. Voilà. Allez, Badak. Voilà. Ich. Le Goku. Ok, il m'a mis panne avec la cover, bien wesh. Ok, bien wesh. Ouf, là, je prends un peu cher. Ah ouais, là, forcément, je prends cher. On n'oublie pas, la carte de Goku Tag Badak, elle est très forte parce qu'il y a l'immortalité. Ok. Ouais, je vais quand même mettre, comme ça, je garde l'immortalité de côté, tu vois. Je vais mettre le Gohan Beast là-dessus, vu qu'il est full life. Voilà. Je me transfo. Il est bien quand même lui en face, il a quasiment ses persos full life. Hein. Moi je vous dis, j'ai très mal commencé avec le Migate là. Voilà, voilà, ok. Ok, d'accord. Très bien. Il m'enlève ma carte verte, très bien. Alors ça m'arrange pas parce que la carte verte open safe avec le tag, franchement, elle fait plaisir, tu vois. Mais là, bon. Ok. J'ai pas pu ouais. J'ai pas pu cancel. Là par contre je suis dans une sauce de ouf. En fait le... Pff, voilà. Je suis dans une sauce de ouf les amis, j'ai plus que le tag. Je me retrouve en 1v3 avec le tag qui a presque plus de PV. Donc là ouais, le Migate Ultra il m'a mis dans la sauce dès le début à être en mode chips. Regardez, j'ai presque plus de vie. Ouh. Ok. Très bien. On va reprendre un peu de PV, voilà. En switchant, voilà, ok. Oh, bien les dégâts, là. Oh, lolo. Oh, lolo. Ok. Moins 1. Imagine-toi le comeback. Imagine-toi en 1v3. Ok, je pensais qu'il allait s'approcher. Ah là là.
J'ai l'immortalité. Voilà, immortalité. Donc là, il peut rien faire. Il a déjà esquivé. Donc forcément, au Rising Rush, on est pas mal. On est pas mal quand même. On est bien revenu avec le tag. Hein. Là, s'il vous plaît, regardez la dinguerie quand même. S'il vous plaît, j'étais en 1v3. Je me retrouve en 1v1. Merci le tag. Merci le tag là. Allez, on va y arriver. Voilà, oh là là. Et après, on ose me dire, le tag, c'est pas ouf. Non mais, hé, frère. 1v3, le tag, t'as vu comment il a cogné comme un ouf. Il est pas 14 étoiles, il est 7 étoiles. Hein. C'est bien, 7 étoiles, mais c'est pas du 14 étoiles. Regarde comment j'ai cogné. Regardez, les amis, comment j'ai cogné. Bon, bah là, Migaté vs le tag pour cette première game. Bah le alors hop voilà, le tag, force est de constater qu'il a été exceptionnel. Deuxième game, très bien, on a du Badakelef en face de nous. Alors faut faire attention à un cover blast, survie au chaos, les deux tags également. Bon, moi je vais prendre les mêmes et on repart au combat. Alors le tag Evo, il ne m'inquiète pas plus que ça, il tape beaucoup mais c'est pas ouf. Également le tag tournoi du pouvoir, faut faire gaffe parce que dès que tu commences à switcher sur le freezer, ça enlève les covers, le Gohan Beast il peut manger sévère. Faut faire gaffe, voilà, clairement faut faire gaffe. Mais du coup, on verra quel perso sera encore le plus impactant, Migaté ou Badak et son fils. Tu vois, on verra bien, tu vois. Allez, voilà. Elle est belle l'animation quand même du Migaté Ultra. Ok. Il prend cher quand même. Hein. Le Migaté, là, il a pris cher quand même en une seule strike. Hein. Voilà, hop, je vais switch. Voilà. Regardez les dégâts. Ok, bah, la cover blast de Badakelef. Voilà, la verte, bim, open safe. Allez, c'est parti. Huch. Voilà. Ok. Let's go. Ok, il a déjà mis ça. Regardez les dégâts. Eh ben, je suis désolé, c'est correct de ouf. C'est plus que correct. Alors, hop, je passe à travers les blasts. Oh, regardez la patate. Oh là là. Non, il est trop fort, le tag. Il est trop fort. Ah, bien wesh. Bien wesh. Je vais switch. Voilà. Hop. Comme ça, on a mis la cover. On va faire la verte. Ça va ramener une spé dans la main. Voilà. Ok, je vais cancel. Vas-y, hop. Voilà. Ah, il a eu le temps d'esquive. Ok, là je ramasse un peu, je vais mettre le Migaté là-dessus. Ok. Ok, parfait. Est-ce que ça le tue ou pas? L'aspect. Un contre-type. Ça tue pas. Ouais, Migaté, il tue pas, c'est ça le problème. Migaté ne tue pas. Ok, bon bah là, de toute façon, je suis bien parce qu'au pire des cas, ça fait match nul. Et en plus, bah je prends le dessus. Donc on est pas mal. On prend le dessus, donc voilà. Voilà, comme ça, lui déjà, premier tag, KO. Ok. Ish. Voilà. KO. Ok. On est bien. Franchement, on est bien dans cette game. Voilà. Je préfère foncer qui... Voilà, 950. Ah. Il prend le dessus. Ok. Très bien. Bon, là, je suis à contre-type. Donc, en vrai, je suis quand même serein, là. Franchement, je suis serein, là, dans cette game. Ok, regardez. Vous avez vu les dégâts qu'il prend, le Migaté, deux blasts. Voilà, hop. J'ai récupéré mes PV. Ok. Très bien. Il a détruit mes cartes, l'enfoiré. Bien. Il a bien joué. Putain, mais regardez la patate que je viens de me prendre. Waouh, regardez les dégâts. Vous avez vu les dégâts, Migaté, pour encaisser, c'est pas foufou, hein. Pour encaisser, tu vois ce que je veux dire? Ok. Ok. Bon bah là, ça va être finito. Voilà, je vais faire la verte. Et logiquement, ça va LF. Avec la verte, etc., le boost et tout, normalement, ça LF. Oh! Ah, même pas! Ok. Je pensais que ça allait LF. Bah, on va le faire là, alors. C'est pas grave.
On retente notre chance. Bon bah LF, voilà, incroyable. Encore une fois, alors, quand je suis en train de dire, voilà, lui, il est gâté et tout, ça n'encaisse pas. Je dis pas qu'il est nul, attention, c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est que contrairement, par exemple, au tag Goku Badak, qui est à la fois puissant et tanky, bah, Miyate, il est puissant, mais il n'arrive pas vraiment à bien terminer ses adversaires. Et niveau tankiness, c'est pas foufou, tu vois. On va dire qu'en fait, le Miyate, c'est surtout un personnage que tu vas jouer principalement pour ses mécaniques qui sont handicapantes. Par exemple, voilà, hop, là, voilà. Par exemple, voilà, tu attrapes l'adversaire, tu vas l'empêcher de switcher. Ensuite, tu peux blast et ultime derrière. Parce qu'à chaque fois, quand tu l'empêches de switch, il ramène une blast et tu peux ultime. Ça, c'est fort. Oh, il y a de la très grosse team en face. Miyate Ultra, 10 étoiles, 9 étoiles, le Gohan Beast et 14 étoiles, la panne. Là, franchement, ça rigole pas. Faut pas bégayer des genoux. Du coup, bah moi, je prends les mêmes. Hop, et on recommence. Mais là, franchement, la panne, en plus, 14 étoiles. Elle est chiante, clairement, la panne à affronter. Parce que, voilà, elle nous enlève du ki, etc. Son main, sa régène DPV. Gohan Beast, 9 étoiles, ça fait mal. Et 10 étoiles, là, par contre, le Miyate Ultra, je pense que c'est là où il devient intéressant. Clairement. Dès que tu commences à monter en étoile avec le Miyate, forcément, ça va taper beaucoup plus fort. Et c'est beaucoup plus impactant, c'est sûr, en PVP. Donc, du coup, bah, on va voir. On va voir, du coup, ce que ça donne. Pour l'instant, moi, le tag, il est incroyable. Parce qu'il est super bien équilibré, quoi. Enfin, quand je dis équilibré... Ah non, non, tu ne peux pas, ça, monsieur. Tu ne peux pas. Donc là, je vais pouvoir faire... Voilà, je vais faire deux blasts et l'ultime. Mais ça va pas faire d'énormes dégâts parce que c'est à contre-type. Par contre, ce que je voulais dire par le tag équilibré, c'est qu'il frappe fort et il a une très bonne défense. Et puis, il a une mécanique, bah, avec son open safe et tout. Et son immortalité, bah, c'est top. Tu vois, c'est top. Ok. Donc voilà, forcément, ils sont menés à la récupérer des PV. Voilà, hop, la petite verte, voilà, bim, open safe, c'est parti. Voilà. Ok, donc là, je peux pas refaire une strike, sinon ça arrête le combo. Je vais mettre Badak, mais je vais quand même la faire, parce que voilà, hop, voilà. Voilà, c'est bon. Par contre, voilà, là, j'ai mis le Gohan Beast. Si je l'attrape, là, après, ça peut être pas mal. Ok, je l'attrape. Let's go. Voilà, ça fait mal. Voilà. Ok. Parfait ça. Ok. Voilà. Il y a l'aspect qui arrive. On est parti. Ok. C'est pas mal. J'ai bientôt récupéré l'esquive. Ok. Bien wesh. Là, il a très bien joué parce que là, j'ai pas le temps de changer de perso, tout ça. Donc là, je suis bloqué. Là, je vais me faire bien taper, ouais. Ok. Oh, et il a failli me one-shot. Je suis obligé de me transfo tout de suite. Il a failli me one-shot, wesh. Ok. Ça fait mal, hein. Ah, il avait son esquive, là. Ok. J'avais pas... J'ai mal géré mon truc, là. Ça m'a... Waouh. Ok. Bon, allez, vas-y, il avait esquive. Wesh, encore! Je fais n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi parce que, en fait, sa spé m'a tellement déstabilisé. Allez, après, il a refait une spé et tout ça, donc ouais, ouais, ok. Par contre, voilà, Badak, bah voilà, c'est tanky. Badak, c'est tanky. Voilà, le père de Goku, c'est tanky, frère. Ok, bien, wesh. Ok, très bien. Très bien. Voilà. Il y a l'immortalité, hein, donc l'immortalité, on s'en fiche, tu vois. Ok. Encore, wesh. Wesh, encore. Comment ça se fait, il esquive autant, là. Putain, je suis perturbé, là. Je suis perturbé. Ok. Après, peut-être qu'en revoyant la rediff, je me dirais, ah ouais, bah c'est normal, il a joué ça comme carte. Mais là, c'est vrai que je suis un peu déstabilisé, là. Ok, bim, allez. L'aspect, maintenant. Ok, vas-y, fais-lui mal, fais-lui mal. Ah, il a bien tanké. Hein. C'est là où, à 10 étoiles, c'est quand même mieux. Par contre, oh, regardez la patate, elle a crit. Oh là là, là, je rising rush direct. Le rising rush direct, hein, je cherche pas à comprendre, en espérant qu'il ne me le contre pas.
J'ai l'impression qu'à 10 étoiles, le Migaté, c'est déjà beaucoup plus intéressant. Ok, c'est bon, ça passe. Ça a l'air déjà beaucoup plus intéressant, le Migaté à 10 étoiles, les amis. Franchement... Ah, mais là, le problème, c'est que Migaté Ultra, tu vois, il n'y a pas de pitié, rien du tout. Si tu dois le monter en étoile, c'est dur quand même. Encore temps. Voilà, comme ça au moins, hop. Il a esquive. Ok. Ok. Donc là, ça fait pas trop de dégâts. Je vais essayer de faire ce que je peux. En attendant d'avoir le tag. Voilà. Allez, bim. Ah ouais, c'est vrai. Le Gohan Beast, c'est vrai. Voilà, parfait. Regardez. Hop, boum, fait du mal. On repasse sur Goku. Ouf, voilà. C'est ça, mon petit. Ouf, c'est cuisine, ça. Voilà, le tag encore. C'est encore le tag, les gars, qui fait le taf, là. Ok, là, c'est bon, il a esquive. C'est encore le tag, là, qui fait le taf. Hein. Le tag, là, regardez, voilà. Voilà. Voilà, je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. C'est encore le tag. On a fait combien de games? Alors, je mettrai pas toutes les games, hein, forcément, voilà. Je mettrai pas toutes les games, mais on a enchaîné victoire sur victoire, etc. Les amis. Migaté Ultra, c'est une très bonne unité. Mais je suis désolé, le tag, il fait beaucoup, beaucoup, beaucoup trop plaisir. Clairement. Regardez, je suis monté comme ça, grâce au tag. Le tag, il est trop fort. Vraiment, vous avez vu comment ça frappe fort. Vous avez vu comment ça tank. Vous avez vu l'immortalité, comment c'est fort. Vous avez vu la carte verte, comment elle est forte. Il est trop fort, le perso. Clairement, je voilà, je sais pas, dites-le-moi vous aussi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Mais pour moi, le Goku Tag Badak LF, c'est le coup de cœur. Vraiment, c'est le coup de cœur. Et en plus, Badak, c'est mon perso préféré. Donc là, cerise sur le gâteau. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu toujours pas fait en activant la cloche pour recevoir les notifications. Partage la vidéo, like. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao! Mettez un pouce bleu sur la vidéo de Sofiane le Geek. Sinon, la colère de Freezer s'abattra sur vous.